Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est notre première vidéo. Alors, pour me soutenir, laissez beaucoup de j'aime, laissez beaucoup de j'aime. Mes frères et sœurs, vraiment, c'est triste cette histoire. Je vais tomber là-dessus. Et depuis ce matin, j'y pense, j'y pense. Même que je suis sorti tout à l'heure aller acheter de la nourriture, j'ai pensé jusqu'à, je me suis dit, mais waouh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la blague? Mais je pense que je dois vous faire écouter ça. Cet homme que vous voyez à l'écran dit qu'il a vendu son âme au diable. Et il va nous expliquer ici comment ça s'est passé. Vraiment, vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre, mais je pense que nous devons écouter quand même. Alors, écoutez très attentivement. OK, c'est parti. Les gars, je vais vous expliquer une histoire de moi-même. Il y a un vieux père ici, vraiment. Je dis que j'ai fait de l'argent. Il m'a accompagné dans un coin. Vraiment, le coin, bon, je vais dire, c'est un coin satanique. C'est un coin satanique. Donc, arrivé là-bas, ils m'ont dit, ils ont besoin d'argent avant de faire travail. Ils ont dit qu'ils ont besoin de 4 000 euros avant qu'ils aient fait le travail. J'ai envoyé 4 000 euros. Après, ils m'ont dit, après 4 mois, je vais avoir l'argent. Bien, vous avez entendu ça? Il dit qu'il y a un de ses vieux pères, c'est-à-dire un grand frère qu'il connaît bien, qui l'envoyait quelque part, où là-bas, il devait vraiment faire des trucs pour avoir de l'argent. Et là-bas, on lui a demandé 4 000 euros. Et il précise bien que cet endroit-là, ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est un endroit satanique. Il le confesse bien, dit, c'est un endroit satanique. Et là, ton Dieu, c'est un temps. Mais que s'est-il passé après? Écoutez bien. Maintenant, on est arrivé, bon, après 4 mois, et mon Dieu même me dit, après ce travail, 4 mois, et ça, et même me dit, je ne peux pas avoir l'argent, ils m'ont donné des détails, ils m'ont donné les durées, je dois mourir. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il dit qu'il arrive là-bas maintenant après les 4 mois. Et ils lui disent que, bon, ils ont tout fait, mais le gars ne peut pas avoir l'argent. Et il a 4 mois, ils lui ont donné un délai pour vivre. Il a peu de temps à vivre maintenant. Qu'est-ce que c'est? Donc, délai là n'est pas encore arrivé, ça là, à l'hôpital. Le docteur m'a fait savoir que cette semaine-là, je ne peux pas mourir. Mais je veux vous dire, cette vidéo que j'ai là fait, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un, je n'ai pas besoin de vie, je n'ai pas besoin de célébrité. Seulement, j'essaie de la faire pour interpeller nos frères et sœurs. Et le travail, l'argent facile, ça nous amène nulle part. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Il dit, je fais cette vidéo parce que je veux interpeller mes frères. Je veux leur dire que l'argent facile ne nous amène nulle part. Aimez le travail. Hé, pourquoi j'écoute ça, ça m'étonne. Tu as déjà 4 000 euros. 4 000 euros, tu ne veux pas travailler ça pour que ça devienne 8 000 euros. Puis, ça grippe. Mais vous connaissez l'esprit de l'argent facile et il nous donne des conseils. Vraiment, il s'est allé vendre mon âme au diable, voilà. Il s'est allé vendre mon âme au diable. Il s'est allé vendre mon âme au diable. On m'a dit, je vais mourir, ça, là, à l'hôpital. Docteur dit, je ne vais pas finir cette semaine, ça ne va pas. Je vais aller mourir chez moi en Côte d'Ivoire. Je vais aller mourir chez moi en Côte d'Ivoire. Maintenant, ça ne va pas aller, il ne sent pas bien. Voici le passeport. Il n'y a plus de passeport. Ouais, balimaw a ma nga mun fɔ tiɲɛli do y'a faamu nin kɔni y'a ka dokumaw ye bɔn apɛre la bɛ taga la yɔrɔ in na kuwa wala bɔn a kɛra tiɲɛli ye kɔni a man kɛn dɛ kuwa n'a mago nunnu kɔni mago b'u la duwawu la a ka duwawu kɛ ala bɛ se ka nɔgɔya ka sagaro to sugu min kuwa bɔn a bɛ se ka duwawu kɛ a ka taga a ka jamana ka Ivoire y'a faamu bɔn bɛɛ mago b'a la ka taga ni ala bɛ mɔgɔ fagala i ka taga fa i ka jamana ka bɛɛ kɔni mago b'o de la wa o de tun don k'a ɲɛfɔ a ko ninnu kɔni b'o cogoya na fɔlɔ an bɛ dɔw de kɛ yarabi ala k'an kisi ɲɔgɔnna ma wa yarabi ala k'an kisi ɲɔgɔnna ko sugu ninnu ma
parce que on est là ben à cause de vous qui va dire ce que tient bon il était qu'une fenti on est donc même quand on est là mais à ça à ce coup de final de bon final c'est moins quoi Seigneur pendant qu'il est en train de parler il s'est mis à vomir. Je vous dis ce que j'ai vu. Comme il y a du sang dedans, c'est pourquoi je ne vous ai pas monté cette vidéo-là d'une autre manière, ok? Ça ne pouvait pas choquer les enfants. Quand il a tenté de parler à un moment donné, là, vous avez vu qu'il a dit, regardez là où se trouve le passeport. Et après, il était seul, étant seul, il s'est mis à vomir. Et on voit sortir sa bouche du sang. Vous voyez, c'est du sang. Nous allons réécouter ça encore, ok? Je vous laisse écouter dès le départ, ok? Et vous allez comprendre. Si ceux qui comprennent la langue là, qu'ils viennent nous faire la traduction ici, en commentaire, afin que nous puissions comprendre les parties qu'on ne peut pas comprendre parce qu'ils parlent en langue malgré ou bien vous ne savez pas. Écoutez bien. Sulemani. Et italien pour le bafou français là parce que mobe on était allé même français là ngila motang be fam avec ko ngon wa les gars je vous explique une histoire de moi même il y a un JP ici vraiment j'ai dit que j'ai fait de l'argent il m'a accompagné dans un coin vraiment le coin bon je vais dire c'est un coin satanique Donc, arrivé là-bas, ils m'ont dit ils ont besoin d'argent avant de faire travail. Ils ont dit ils ont besoin de 4000 euros avant qu'ils fassent travail. J'ai envoyé 4000 euros. Après, ils m'ont dit après 4 mois, je vais avoir l'argent. Maintenant, on est arrivé. Bon, après 4 mois, ils m'ont dit, eux-mêmes me disent après ce travail, 4 mois, ils sont allés. Ils m'ont dit je ne peux pas avoir l'argent. Ils m'ont donné les détails. Ils m'ont donné les durées, je dois mourir. Donc, Dylan là n'est pas encore arrivé, ça là, à l'hôpital. Le docteur m'a fait savoir que cette semaine-là, je ne peux pas mourir. Mais je veux vous dire, c'est vidéo que j'ai là fait. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un, je n'ai pas besoin de vie, je n'ai pas besoin de célébrer. Seulement, j'ai ça à faire pour interpeller nos frères et sœurs. Et le travail, l'argent facile, ça ne nous amène nulle part. Vraiment, il s'est allé vendre mon âme au diable, voilà. Il s'est allé vendre mon âme au diable. Et ça, il va maintenant au diable. On m'a dit, je vais mourir ça là, à l'hôpital. Docteur dit, je ne vais pas finir cette semaine, ça ne va pas. Je vais aller mourir chez moi en Côte d'Ivoire. Je vais aller mourir chez moi en Côte d'Ivoire. Maintenant, ça ne va pas. Il ne sent pas bien. Voici passeport. Il n'y a plus de passeport. Oui, je vais vous dire. On est à manquer de quoi. Voilà, mes frères et sœurs, vous avez entendu, hein? Moi, je n'ai plus rien à ajouter. Si cela est vraiment superfait. Souvent, de telles choses arrivent sur les réseaux sociaux et on pense que c'est pour faire le buzz. Mais ce sont quand même des choses qui peuvent arriver. Hein. Ce sont quand même des choses qui peuvent arriver. La plupart du temps, on attend des gens dire oh, on allait voir le diable, on a fait des rituels là-bas, on a eu de l'argent, voici notre poursuite magique, ça produit de l'argent. Et ça marche, venez faire aussi. Mes frères et sœurs, si vous êtes tenté d'aller faire ça, moi je vous dis que ce n'est pas pour tout le monde ça marche. Et pour certains là, ça échoue.
Et quand ça échoue, soit il devient fou, ou bien il meurt, comme c'est le cas de ce monsieur. Vu ce qu'il a en train de nous dire, on a l'impression que c'est son cas, puisqu'il lui dit qu'il a peu d'état à vivre. Il est en train de vomir du sang. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, mon frère, ta solution, c'est Jésus-Christ. Que ton cœur crie à Jésus-Christ. Quand ta force affaiblit, dis Jésus est mon seul sauveur. Dis Jésus, j'ai m'aider. Appelle le nom de Jésus-Christ. Vraiment, Dieu peut t'aider. Jésus-Christ peut t'aider. Mes frères et sœurs, vraiment, méfiez-vous des amis, même des vieux pères. On voit les vieux pères, on dit, oh, ça c'est mon vieux père. Vieux père, faut m'aider. Vieux père, fait quelque chose pour moi. Et le vieux père te conduit dans un circuit. Il te met dans un réseau. Car que le réseau, c'est un réseau satanique. C'est pourquoi je vous dis, faites vraiment très attention. Parfois, on veut réussir. On veut joindre les deux bouts. On a fait des études, c'est chaud. On veut aller voir les grands frères, les aînés qui sont déjà devant. Alors que ceux-là même, ils ont pointé le mauvais chemin. Mes frères et sœurs, faites très attention à là où vous mettez les pieds. À bon entendeur. Salut, Théo.